Nous avons reçu aujourd'hui notre deuxième colis de La Poste qui vient d'Allemagne. Et c'est ce que j'avais commandé chez SVB, les chargeurs d'alternateurs. Comme vous le savez, nous changeons le pack batterie sur Seapearl. Et il s'avère qu'il faut que ça soit... les alternateurs ne peuvent pas charger directement les lithium, les batteries lithium. Il faut passer par soit un Orion de chez Victron ou un gestionnaire de alternateurs qui puisse charger les batteries lithium. C'est pour ça que j'ai acheté ceci. Encore merci à ma maman de me l'avoir envoyé. Ça a été rapide, donc de France à Saint-Martin, ça a mis 13 jours. Donc c'est cool, c'est assez rapide. 4,75€ en poste restante. Donc si on n'a pas d'adresse, on marque poste restante et ça reste jusqu'au moment où le destinataire vient le chercher avec sa pièce d'identité. Il faut juste payer 4,75€ pour ce service. Voilà, allez, on va l'ouvrir. Je le découvre en même temps que vous. Et j'ai également acheté un câble pour le radar. Ah ouais. Pour le radar BNG. Ce qui permet de raccorder justement en câble Ethernet. En câble Ethernet le câble à la prise 3 broches que j'ai fait sur BNG. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Bon, ça c'est en option. Donc c'est le fameux Starlink Power. C'est pas Starlink, mais Sterling. Sterling. Voilà. J'en ai acheté deux pour tribord, bâbord. C'est les 130 ampères. Alors je sais pas si on le voit, mais c'est bien le 130 ampères que j'ai acheté. Donc il charge bien les batteries lithium, qui n'était pas le cas des anciennes générations, mais celui-ci désormais gère le lithium. Voilà, on le voit, 130 ampères. Il s'avère que un alternateur, nous les avons de 125 par moteur, donc il faut prendre légèrement au-dessus pour la gestion de la batterie. Allez, on l'ouvre, Vincent. Oui. On va voir ce que ça donne. Donc il y a des sondes, etc. Donc ça, je l'avais déjà téléchargé sur le site pour bien comprendre, pour que je puisse être opérationnel dès que j'allais le recevoir. Mais c'est très simple. Il s'avère qu'en plus, j'ai un répartiteur pour chaque moteur. J'ai un répartiteur de charge, comme souvent sur les bateaux. Pour la servitude, justement les batteries de servitude et la batterie démarrage moteur. Donc quand on a les répartiteurs de charge, on enlève ces cosses et on a juste à les remplacer par domestique starter, le plus de l'alternateur et le négatif sur la masse qui se trouve sur l'alternateur. C'est d'une simplicité. Ouais, franchement, c'est très très simple à utiliser. Ça a l'air du bon matos. Ouais, c'est du bon matos. Hein. Un très 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 bon matos. Donc, il est livré avec un câble négatif et il y a également une sonde qui permet de voir la température de l'alternateur. Donc, il y a à démonter ce cache de ce côté et de ce côté pour le régler déjà en mode lithium. Donc ça sera en mode 4 et après juste à plus il n'y a plus qu'à connecter les différents pôles. Allez, on va voir ça dans la cale moteur. Donc tout l'intérêt, c'est de lire en amont le manuel, de le télécharger sur internet pour bien assimiler toutes les étapes à faire pour le connecter. Comme ça, dès que vous le recevez, vous êtes opérationnel et en espace d'un quart d'heure, pour chaque chargeur d'alternateur, c'est fait. Donc voilà, là j'ai enlevé les quatre vis. Voilà
comment ça se présente à l'intérieur. Du Sterling. Donc là, c'est là, ça c'est très important. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais c'est justement ce petit afficheur là, où il y a de 1 à 9, de 0 à 9, c'est là où ça va déterminer quelle est votre batterie. Là, on fait starter, c'est très simple. C'est le positif de la batterie moteur. Celui-ci, c'est marqué domestique, c'est le pack batterie de servitude. Et de l'autre côté, ici, c'est le positif de l'alternateur. Et ce câble, c'est le négatif qu'il faut raccorder à la masse de l'alternateur ou du négatif de la batterie. Moi, ce que j'ai opté, c'est la masse de l'alternateur. En somme, j'ai appelé une personne que je connais qui est spécialisée dans tout ce qui est électronique à bord, etc. Et il faut ce négatif n'est que pour alimenter l'appareil en positif et négatif. C'est tout. Ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, le câble, c'est du 6 mm², je pense. Je pense du 4 ou du 6 mm². Donc, c'est pas un gros câble négatif qu'il faut. Voilà, donc super. Je vais juste mettre un petit coup préventif de nettoyant contact de chez W40 qui va permettre de garder les composants nickel. Et j'ai celui-ci à poser. Et donc côté tribord et côté bâbord. Il n'y a plus qu'à. Allez, voilà tout ce qu'il me faut pour pouvoir l'installer sur le moteur bâbord. Donc, j'avais, là je suis dans la cale, chargeur de quai en parallèle, 2 x 40 ampères. Et donc là, c'est le répartiteur qui était d'origine, qui était là. Hier, j'ai donc regardé quels étaient les prises qui correspondaient. Ce câble également, il va falloir que je l'installe parce que c'est le câble de l'alternateur qui permet de l'exciter au niveau du démarrage. Donc ça, c'est le câble pour la servitude, l'alternateur et le câble moteur. Donc c'est très simple. Je vais enlever cela, je vais connecter, donc je vais fixer une planche qui se trouve là, que j'ai découpé, que je vais mettre là, et je vais fixer donc le chargeur d'alternateur que je vais pouvoir fixer. Voilà, c'est pas aisé de filmer dans une cale moteur. Donc voilà, j'ai fixé le chargeur d'alternateur juste en dessous des chargeurs de quai. Donc il est bien installé, solidement. Et j'ai demandé à Vincent de m'apporter la clé pour défaire les cosses du répartiteur de charge. Et on va plus qu'à les brancher. Ça va être nickel. Donc ici c'est l'alternateur, chargeur d'alternateur. Donc c'est très simple. Très simple. Hop. Qu'est-ce qu'on transpire déjà qu'il fait 32, il est quoi? Il est 10h là? Oui, ben oui, t'as fini ta pause. Ouais, hein? 10h30. Donc il aide son papa à filmer. Et fou, on sue ici. Voilà, donc là. Hop. Voilà. Alternateur. Ok. De là, j'en mets le bulon. Ah, qu'est-ce qu'on transpire dans les cales moteurs, c'est incroyable. Donc là. Ah,
ça c'est quand même, on peut pas l'enlever, c'est quand même dommage. Ouais, c'est bizarre son leur système là. Alors est-ce qu'on peut pas, on peut pas l'enlever temporairement? C'est bon. Pas parce que non, non, ben voilà, ben j'essaie de pas forcer justement. Mais il faut qu'il passe de ce, dans ce, de ce côté là. Wow. Là j'avais pas vu, mais il y a effectivement de chaque côté un cache et deux petites vis toutes petites qui permet de justement d'enlever ce cache et de pouvoir le remettre par la suite. Donc ça va être beaucoup plus facile. Voilà, comme ça on le met. Oh là là, ils auraient pu l'agrandir quand même. Parce que quand on a des gros câbles, ça va être difficile. Allez, on va essayer d'agrandir un peu ce trou. De l'autre côté. Bon, donc j'ai agrandi le trou qui permet de passer la cosse. Voilà. Et là, ce qui va permettre de pouvoir le remettre. Super, tu vois, là, ça le fait. Donc là, prise alternateur. Voilà, c'est terminé pour la pose de ce chargeur d'alternateur. Il s'avère que ça a été plus long que prévu, parce qu'il y a eu des surprises déconvenues, en somme. Je vais vous expliquer. Donc j'ai dû changer ce câble, j'ai dû raccourcir également celui-ci. Du moteur, celui-ci est tout neuf, c'est le câble, le gros câble 75 mm² pour les batteries de servitude, et j'ai dû raccourcir également celui-ci de 5 cm pour l'alternateur. Ils étaient complètement rouillés. Je vais vous montrer, c'est voilà, c'est incroyable. C'était complètement corrodé.